La gare centrale, inaugurée en 1943, a été conçue par l'architecte en chef du CN, John Schofield. Misant sur la sobriété des matériaux, la simplicité des lignes et la fonctionnalité, elle a donné un nouvel élan à l'architecture des gares ferroviaires canadiennes. L'architecte montréalais J. Campbell Merritt a vu à l'apport artistique de la gare. Les 30 millions de personnes qui y transitent chaque année peuvent découvrir aux deux extrémités de la salle des Pas-perdus les bas-reliefs de l'artiste torontois Charles F. Comfort, sculpté par Sebastiano Aiello. Ce décor mural décrit la vie des Canadiens et contient des paroles de l'hymne national. Le développement immobilier des années 50 et 60 qui a suivi la construction a enchâssé la gare à tel point qu'on ne peut apercevoir l'ensemble des œuvres ornant les façades du bâtiment. 20 médaillons rectangulaires, dessinés par Comfort, enjolivent les façades sud, est et ouest. Ils illustrent le transport aérien, maritime et ferroviaire. Trois grands hauts-reliefs en pierre, réalisés par l'artiste montréalais Fritz Brandner, décorent la façade nord. Ils rendent hommage au caractère héroïque du transport canadien et représentent les figures mythologiques de Mercure, Prométhée et Neptune. La restauration de l'œuvre de Mercure, que la pollution avait ternie, a nécessité une technique douce. L'exposition durant quelques jours à une brume aqueuse et un balayage délicat aux jets d'eau ont redonné tout son éclat à cette création. Le complexe de la gare centrale, désigné gare ferroviaire patrimoniale en 1995, est une propriété de Cominard.